Amélioration de la gestion des informations à la carrière des magistrats et des activités judiciaires. Le programme des Nations Unies pour le développement a procédé ce vendredi à la remise des logiciels et applications à la justice congolaise, contribuant à faciliter la transmission des données ainsi l'archivage digital sécurisé. Ces outils informatiques pourront réduire sensiblement le délai d'instruction des dossiers. Le numérique est un levier d'intégration de bonne gouvernance et des progrès sociaux. Une donne que le programme des Nations Unies pour le développement tient à initier à travers cette remise des logiciels et applications pour améliorer les performances des magistrats et l'efficacité des activités judiciaires en RDC. La présentation de ces outils informatiques a permis aux autorités judiciaires de saisir les avantages de ces logiciels dans la transparence et la réduction sensible du délai d'instruction des dossiers des actes judiciaires grâce à la facilitation des transmissions des données ainsi qu'à l'archivage digital sécurisé. Les défis rencontrés dans le secteur judiciaire en RDC, couplés au contexte lié à la pandémie de Covid-19, ont conduit le PNUD à engager des réflexions stratégiques à tous les niveaux afin d'identifier des actions innovantes et numériques qui contribuerait à renforcer l'efficacité et la transparence de la justice. Abandonner les vieilles méthodes pour basculer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un temps record nécessite une formation appropriée du personnel qualifié, une option validée par le premier président de la Haute Cour militaire. Je sais que l'acquisition de ce logiciel ne suffira pas pour améliorer drastiquement la gestion des activités administratives et judiciaires au sein de chaque juridiction militaire. En effet, il faudra aussi recruter et former un personnel qualifié qui sera chargé d'alimenter journellement la base de données que la justice militaire devra mettre en place. Ce même personnel aidera les chefs de juridiction dans l'utilisation du logiciel et ses applications. En cette période de la Covid-19, les PNUD promet de doter dans un futur proche au Conseil supérieur de la magistrature et au ministère de la Justice des matériels de visioconférence pour le développement du plan de suivi d'affaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Justice intégrée visant à appuyer les efforts du gouvernement congolais à travers une numérisation progressive de tous les secteurs de la justice.